Ils étaient nombreux à se rendre massivement dans les cimetières de la capitale économique pour honorer leurs disparus. En effet, la traditionnelle fête de la Toussaint, encore réunie ce 1er novembre 2019, enfants, parents, amis, alliés, connaissances autour d'une cause commune, le défunt ou la défunte, bien que cette fête est prévue pour le 2 novembre. Ici, il s'agit de ma tante, Ningon Nicole, décédée le 13 septembre d'une maladie. Nous sommes venus, comme tous les 1er novembre, nettoyer les tombes des parents. Munis d'instruments de nettoyage, c'était un temps de salubrité, mais aussi de prière, de libation et de vénération. Faire le geste, donner à manger, faire la prière et rester en commémoration avec eux pour qu'ils ne nous oublient pas. Normalement, le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. C'est le jour où on vient honorer ceux qui sont partis. On vient nettoyer, comme vous voyez aujourd'hui, on est venu, on a nettoyé. Chaque année, c'est comme ça. Comme à toute occasion de célébration, des commerces développent. Ici, au cimetière municipal Gabon Télécom, l'achalandage des bouquets de fleurs n'a pas laissé indifférents les visiteurs.